Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. On va faire un projet ensemble en plusieurs parties. C'est un site d'expédition. Je vous montre ce qu'on va faire à la fin de toutes ces différentes parties du projet. Et voilà, donc c'est un site qui va présenter des rapports. C'est une entreprise d'expédition qui doit expédier des articles, d'accord, à différentes entreprises. Donc on va faire un tableau, on va le rendre aussi joli que ça. On va avoir la liste des entreprises à qui envoyer les articles, le nombre d'articles à expédier et l'action à accomplir en rapport avec ces articles. On va faire cela en trois parties. D'abord, on va mettre tout ce qui est HTML. D'accord? On va mettre tout ce qui est HTML dans une première partie. Ensuite, on va arranger avec du CSS le menu de navigation. Et enfin, on va gérer le corps avec cette barre de recherche et le tableau à proprement parler. Alors, ce n'est pas un cours en HTML. Je suppose que pour suivre cette vidéo, il faut avoir quand même quelques bases avec tout ce qui est balises HTML, c'est quoi HTML, CSS et tout. Ça, c'est juste pour vous faire monter en compétences, pour vous permettre de peaufiner, quoi. Voilà, de bétonner vos compétences en HTML et en CSS. Donc, c'est parti déjà. On va créer les choses à partir de zéro. Donc, je vais mettre le projet de ce côté. Ensuite, avec votre éditeur de code, moi j'utilise Atom. Je vous conseille également d'utiliser Atom. On va faire File, Add Project Folder. Et dans un dossier que vous allez choisir, vous allez faire clic droit, Nouveau dossier. On va taper Shipping comme nom du nouveau dossier. Voilà. Et on fait sélectionner un dossier. Donc, le dossier Shipping, il est dans notre éditeur de code maintenant. Du coup, on va faire clic droit, New File. Vous tapez le raccourci A. Et on va créer un fichier HTML shipping.html. Vous faites exactement ça, hein, s'il vous plaît. Et on va taper HTML pour créer déjà un corps de base HTML. Le ling, l'attribut ling, ça sera fr, voilà, le français. Donc, le title, ça sera expédition. Expédition. D'accord? Mettre un pipe pour faire alt gr6. Liste d'emballage de l'entreprise. Ok, génial. Alors, on va directement s'attaquer à notre balise body. D'accord? Et on va mettre le menu de navigation. Je parle bien sûr de ce menu-là. D'accord? On va mettre le menu de navigation. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs choses. Hein. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions, mettez-les-moi en commentaire en bas de la vidéo. Et voilà quoi. Et vous pouvez m'écrire sur Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Je suis sur pratiquement tous les réseaux sociaux et je vais vous répondre rapidement. Donc, on va créer une balise UL, d'accord? À la balise UL, on va lui donner une classe, d'accord? Pour d'éventuelles modifications CSS. On va appeler classe, la classe sera Navigation. Voilà. Ok, et dans le UL, je vais mettre des éléments de liste. Alors, le premier élément, ça sera le logo. Donc, le logo, ça sera une image, bien sûr. Et l'image, je vais la mettre. De toutes les façons, à la fin de la vidéo, à la fin du projet, vous pouvez récupérer les différentes images sur mon compte GitHub ou en bas, je vais mettre le lien de l'image. Vous allez télécharger l'image ou vous pouvez mettre aussi l'image de votre choix. Donc, dans le LI, le premier élément de liste, je vais mettre une balise IMG. D'accord? La source, ça sera le lien vers l'image. Ok? Mais bon, l'image, moi, je l'ai ici en local. Donc, je vais récupérer, d'accord, l'image. Il est dans un de mes dossiers. Voilà l'image. Donc, je copie l'image. Je viens dans le dossier shipping qu'on a créé. Je colle. Et l'image, ça s'appelle logo.png. L'extension est vraiment importante encore. Donc, logo.png. Ok. Ça, c'est le 1. Le deuxième élément de liste, ça sera le texte liste d'action. Le troisième élément, ça sera le texte profil. Le quatrième élément, ça sera
du texte paramètre. Génial. Voilà. On sort notre liste UL, d'accord? On va créer cette fois la barre de recherche avec un div. Le div va donner une classe search. Ok. D'éventuelles modifications CSS. Et le div va juste contenir le texte recherché dans le tableau. Voilà. Et maintenant, on va faire notre tableau. Donc, on va mettre des commentaires pour nous permettre de nous retrouver. Alors, le premier commentaire, c'est quoi? Création du menu de navigation. Ok. Le deuxième commentaire, ça sera création de la barre de recherche. Et le troisième commentaire, ça sera création du tableau. Ok. Donc on va créer le tableau avec la balise des mots. D'accord? Et on va mettre ensuite, je vous montre ça. Voilà, on va mettre ensuite les en-têtes, d'accord, du tableau. Et pour mettre les en-têtes du tableau, on va utiliser la balise t-head, ok. Et donc, dans notre t-head, on va mettre notre ligne avec la balise tr, ok. Et dans le tr, on va mettre maintenant chaque colonne en tête, ok. Donc la première colonne, c'est avec th, on va le mettre th, on va mettre nom de l'entreprise. Deuxième th, ça sera le nombre d'articles à expédier. Et ensuite le troisième th, c'est affaire, ok. Ça, c'est bon pour l'en-tête de notre tableau. On va s'occuper des autres lignes du tableau. Pour ça, on sort de notre balise t-head et on va maintenant mettre la balise t-body pour le corps du tableau à proprement parler. Donc, t-body. Notre t-body va prendre en fait plusieurs lignes avec sur chaque ligne les éléments correspondants aux différentes en-têtes du tableau. Donc, on va mettre un tr avec une ligne, le nom de l'entreprise, le nombre d'articles à expédier et les actions à faire. Non, je me suis trompé, voilà. Donc on va créer notre tr, ok. Dans le tr, on va mettre un th avec le sport, un autre th, ça sera pas un th cette fois, ça sera un td, d'accord. On pouvait mettre un td à la place du th ici, mais voilà, c'est moi qui l'ai voulu comme ça. Vous aurez pu changer également, d'accord. On va mettre TD. N'oubliez pas, la balise TH, c'est l'abréviation de Table Head, d'accord. Donc, c'est pas vraiment bon. On va, je vais directement vous montrer. Là, on va aller sur le site officiel du Mozilla Developer Network, comme ça vous verrez mieux. Donc, si je tape TH HTML, allez voir TH HTML tag. On va prendre le premier résultat de recherche. Voyez, on dit la balise TH, elle permet de définir une cellule en tête dans un tableau en HTML. Voilà. Ce sont les cellules phares, les cellules qu'on veut mettre en tête. Généralement, c'est les premières cellules qui commencent vers la gauche de notre tableau HTML. Ok. Étant donné que moi, je veux que ces différentes cellules, voyez, les cellules des entreprises, soient mes cellules en tête, je vais donc leur mettre la balise TH et le reste, ça sera dans une balise TD. Ok? Donc TD, ça sera le nombre d'articles envoyés pour Ecudo Sport, c'est 14. D'accord? Il y aura un autre TD pour l'action à faire, c'est emballer les articles. Ok. On va mettre encore un autre TR. Pour la deuxième ligne, vous avez compris le principe, je vais répéter pour les autres entreprises. Donc, je vous récupère tout à l'heure quand j'aurai fini de taper tout le reste pour les autres entreprises. Ok.
Voilà, donc j'ai tapé pour le reste des entreprises. Ensuite, on va sortir du Tebadi, d'accord? On va s'occuper de notre T-Foot. Donc le T-Foot, c'est une balise qui s'occupe des pieds de tableau. Donc je vais mettre T-Foot, ok? Et à l'intérieur du T-Foot, je vais mettre deux cellules. La première, ça sera le total, c'est-à-dire le nombre d'articles total à expédier. Zilan, parce que c'est de Rikudo Tech là, tu utilises l'extension Colorzilla. Tu viens sur le bleu de Rikudo là, il va te donner le code hexadécimal. Tu cliques, ça va copier automatiquement et tu colles pour envoyer ça à Sam. Tu vas prendre ça pour. C'est le code hexadécimal du bleu. Bon, où il y a le logo de Rikudo en tout cas. Et. On va mettre un deuxième TD pour mettre le total. Le total, donc, c'est 28. Et voilà, on a mis tout ce qui est HTML. Donc, on peut vérifier. Tout simplement, je viens dans le dossier quand j'exécute. Vous voyez que là, on est en pur HTML. Donc, le site est vraiment simple. Il est vraiment très, très simple en soi. Mais avec CSS, vous allez voir comment les choses vont accélérer. Ok, donc à tout de suite pour la seconde partie avec CSS.